Racisme anti-blanc, et là, il n'y a plus aucun débat. Ceux qui sont pas d'accord, allez vous faire foutre bien comme il faut. Oula, 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 le racisme anti-blanc, c'est quoi ça? Le racisme anti-blanc, ça n'existe pas, non? Le racisme anti-blanc n'existe pas. C'est ça que vous voulez que je dise? Vous voulez que je dise que le racisme anti-blanc n'existe pas? Ben, désolé, mais si. Si, si, oui. Oui, les gens, je suis noir et j'affirme que le racisme anti-blanc, il existe. Vous voyez? On peut être objectif dans la vie. Hein. Moi, ma chaîne, elle est totalement objective. Hein. Je pourrais faire genre, hein. Mais non, le racisme anti-blanc, c'est impossible. Impossible d'exprimer du racisme en faire des plans. C'est eux qui ont le pouvoir et contrôlent le monde. C'est impossible. Sauf que c'est pas ça le racisme, en fait. En fait, je pense que les personnes qui disent avec autant de véhémence et de force que le racisme anti-blanc n'existe pas, elles sont racistes, en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Accrochez-vous bien. Donc, ces personnes se disent que quand on est noir, par exemple, je prends mon cas, je ne peux pas me sentir supérieur à quelqu'un de blanc. C'est impossible. Pour elles, c'est impossible qu'elles disent. Quoi? Il dit à sous le noir. Super, il peut se penser supérieur à un blanc? Impossible. Quoi? Quelqu'un de maghrébin peut pas avoir de l'hostilité envers quelqu'un de blanc? Impossible. C'est complètement stupide en fait. Le raisonnement des personnes qui pensent que le racisme anti-blanc n'existe pas, il est stupide. Bien sûr que le racisme anti-blanc il existe. Et je répète, et je le répéterai autant de fois qu'il le faut. Enfin, ça me paraît tellement logique. Tous les racismes existent, le racisme anti-noir, le racisme anti-maghrébin, le racisme anti-asiatique, mais le racisme anti-blanc, non, c'est pas possible. Franchement, vous voyez la puissance de certains lobbies. Je suis sûr qu'il y a beaucoup, des millions de personnes qui pensent que le racisme anti-blanc n'existe pas. Enfin, les gens. Bien sûr qu'il y a des gens noirs, arabes, asiatiques qui vont voir quelqu'un de blanc et qui vont se dire, ah, espèce de sale. Ça existe? Et pourquoi ça existe? Parce que les êtres humains sont mauvais. De nature. Les êtres humains sont des êtres mauvais. On est la pire race sur Terre. On est la pire race sur Terre. Ça se tape avec les moustiques. On n'aime pas, en fait, on est mauvais d'essence. Hein. On fait la guerre, on détruit des gens, des fois par plaisir. On n'aime pas les gens qui sont différents de nous. Les êtres humains, je parle pas, je vous parle pas de moi. Moi, j'ai jamais été raciste et je le saurai jamais. Mais il y a beaucoup de racistes. Et oui, il y a des racistes anti-blancs, bien sûr. Il y a des gens qui vont voir les blancs et qui vont avoir une haine envers eux. Qui vont avoir du mépris. Oui. Comme toutes les ethnies au... comme dans toutes les ethnies au monde. Et même dans les mêmes ethnies, hein. Il y en a qui vont être blancs et qui vont se dire, ah, je déteste les blancs. Il y en a qui vont être noirs, ah, je déteste. Donc oui, bien sûr, le racisme anti-blanc existe. Ça me paraît tellement logique, en fait. Mais il faut faire des vidéos pour le rappeler. Et là, dans les commentaires, mais idiot, t'es d'extrême droite. Comment tu peux dire que le racisme... Je le dis et je le dirai comme je le veux et comme je l'entends. Et je le dirai haut et fort. Jusqu'à la fin des temps. Parce que moi, je combats tous les racismes, en fait. Je suis désolé pour vous.